C'est dans le centre de presse Norbert Zongo que le collectif a organisé une conférence de presse pour parler de l'état du dossier Norbert Zongo qui a été introduit à la Cour africaine des droits de l'homme de Arusha depuis le 11 décembre 2011. Maître Benewende Sankara est revenu aux raisons qui ont conduit à cette saisine de la justice internationale. Nous avons estimé que le système judiciaire burkinabé était suffisamment impliqué politiquement dans ce dossier et que, d'ailleurs, les nominations des différents magistrats qui ont eu à gérer ce dossier-là corroborent ce que nous disons. Quoi on peut s'attendre de mieux dans le jugement qui va être rendu à Arusha? Et s'il y a un verdict favorable, qu'est-ce que ce verdict-là peut avoir comme impact, comme influence au niveau national? Condamner l'État, c'est bien, mais nous, ce qui nous intéresse le plus, au-delà de la condamnation de l'État, c'est que, sur la base de la pression interne, nous puissions découvrir les commanditaires et les assassins de Norbert Zongo et de ses compagnons. Et nous avons dit ici le dossier Turkana, c'est parce que les assassins, les commanditaires et les assassins se trouvent au cœur du régime. C'est politique. Et tant que ce régime-là sera là, il faudra décupler d'efforts pour que ce dossier-là soit remis. La veuve de Norbert Zongo, qui était présente aux côtés de la délégation du collectif à la Cour africaine, a participé aux échanges avec les journalistes et lance un appel à l'endroit du chef de l'État. J'ai dit de dire au président du FASO, qui est Blaise Compaoré, en tant que premier magistrat de ce pays, qu'il fasse de tout son possible pour que la lumière soit établie sur le dossier Norbert Zongo. Le président du collectif Chrysogone Zoukmori donne rendez-vous au plus tard en février 2014 pour le verdict de la Cour africaine des droits de l'homme. Il faudra que nous insistions. J'ai eu à le dire, Arusha c'est un champ de bataille, mais c'est le second champ de bataille. Le premier champ de bataille, c'est chez nous ici au Burkina Faso, à travers les actions que nous devrions continuer de mener pour que l'ouverture de ce dossier-là soit effective. Nous vous exhortons donc à rester vigilants et persévérants. Et comme le disait le professeur Joseph Kizerbo, si nous nous couchons, nous sommes morts. Nalara Asara. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.